Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oh, bah... Oui, c'est... Mais... Oui, c'est... J'ai eu un petit accident. Non, mais... Quoi? Ah, tu vois encore la vente, t'es quoi? Oh, bah, ça va, et toi, le duo? Bah, on est arrivé sur le même bateau, tu m'as pas vu, carrément. Ah bon? Ouais, non, mais moi, j'ai dormi. Attends, tu crois que je vais faire quoi? Je vais regarder là-haut l'eau, comme ça, là, comme... Non. T'es carrément mis dans la soute. Bon, qu'est-ce qu'on fait, là? T'as quelques dollars sur toi, là? Ouais, y'a un gars là dans la soute, il m'a donné 20 dollars carrément. Ah ouais? Ah oui. Bah, moi j'avais, j'avais 20 dollars quand on a pris le bateau, et puis voilà quoi. Bah, qu'est-ce qu'il faudrait? Faut aller voir les chevaux, combien ça coûte? Ouais, au moins s'en prendre un pour nous deux ce soir, non? Ouais. Ah ouais? Au moins. Bah, allons-y également là. Allez, c'est parti. Bon, tu sais quand Carmen elle arrive, non? Vers 21h, elle a dit. Ouais, mais bon, je pense que ça va être vers 22h, quoi, le temps de. Voilà. Ouais. Le temps que le bateau débarque, etc. Voilà. Alors, bon, ça, bah, t'as compris, non. Joe? Non, je sais pas. Non, mais c'est parfait, tant qu'on a alors, l'information. Faut faire attention, à n'importe quel moment, un train peut débouler. Oui, attends. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, monsieur. Mais non, mais le train commencera à circuler à partir de 21h parce que j'ai la flemme de circuler avant. Ah, vous gérez les trains, c'est ça? Oui. Oui. Oh, mais c'est super. Vous avez les deux patrons devant vous. Oh. Et ce soir uniquement, ça sera 1$ le billet pour aller n'importe où. Et à partir de 21h, on fera le tour de. On partira de Saint-Denis pour toutes les gares. Oh, mais ça, c'est bien, ça. Et en temps normal, ça sera combien le billet? Aucune idée. Mais ça sera pas un certain prix. D'accord. Oui, vous savez pas encore. Je comprends. Oui, faut déjà voir les matières premières, tout ça. Vous comprenez, c'est compliqué. Très bien. Non, parce que moi j'ai été embauché, on va dire, pour en tant qu'employé au salon de Rhodes. Je sais pas si vous connaissez. Donc. Si, sûr. Je sais pas si vous faites du fret ou des trucs comme oui, ça. Oui, on fera du fret. Ah, ça, faudrait que j'en parle à ma patronne. Faudrait qu'on lui en parle, tu vois. On fait tout. Du fret, de la personne. Et bah parfait. Et bah, plus à l'avenir, suivant les. Vous avez un bureau dans le coin ou. Ici. À peu. Ok, très bien. Et bah parfait. Voilà. Et à un point de repère, la maison jaune. Très bien. Ah oui, la petite cabane qui est là. Oui, allez. La cabane jaune. Oui. Mais sinon, à peu près, oui, tous les quais. Et bah parfait, et bah voilà, messieurs. Ce soir à partir de 21h ou peut-être un peu plus tôt, mais peut-être que maintenant on commencera par le petit tour donc pour servir les villes de Ballantyne. Et après on partira pour. Quand on reviendra ici, on partira pour Annesburg et Strawberry après. Ah, super. Bon bah du coup, messieurs, c'est mieux parfait. Sur le manteau, putain. Bah nous on va aller faire quelques petites bricoles là, puis on vous laisse tranquille, messieurs. Ouais, merci, pas de soucis. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Oh, je vais avoir une grosse mouche. Elle est pas mal cette calèche, ouais. Non, ne commençons pas les bêtises. Non. On va se faire taper sur les doigts avec ces conneries. On va commencer carrément. Oh, on va aller chercher un cheval. Oui, ce serait pas mal. Non, on va bien s'amuser le duo, là. Phoenix a l'air d'être un état génial pour nous. Oh là là, tous les cousins et cousines qui vont arriver, c'est l'heure, ça va être. C'est éclaté, mon combat. Ah ouais, là, c'est génial. D'ailleurs, j'ai discuté avec quelqu'un sur le bateau, et il m'a parlé d'une maison, là. On pourrait peut-être. L'acheter, hein, évidemment, on l'achète. On a le bar avant, quand même, non? Oui, mais tu sais, on va pas tous dormir dans le bar, non? Ah ouais, bah là. Bah voilà, c'est pour ça. Le bar, c'est pour les affaires légales, quoi. Tu sais où aller, l'écurie, c'est toi? Elle est pas là-bas. Ah bah ils sont tous en charrette ou quoi, carrément? On ouais, qu'est-ce que tu crois, Phoenix, c'est pas des ploucs, hein. On est dans la capitale, là, je pense. Ah ouais. Grande ville.
moi, mon bon monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Enchanté, capitaine Muller, police de Saint-Denis. Vous auriez pas vu deux individus en blanc? Ah, alors, je suis désolé, ça fait un petit moment que je suis à l'intérieur, là, actuellement, donc, non, je les ai pas vus. Pas de souci. Attendez, je vais déplacer ce véhicule, hein, parce qu'ils ont bloqué la voie, et je reviens si vous avez besoin. Y'a pas de problème. La charrette. Mais lequel? Ah bah, celle qui était ici, c'était bien le vôtre. Ah, était là, sur la rue. Non, c'était pas nous, hein. Oh, vous êtes sûr? Moi, c'était pas moi en tout cas, ça c'est sûr et certain. Salim, je sais pas, parce que moi je suis venu avant Salim. Et la charrette qu'il a piqué tout à l'heure, vous allez quand même pas me dire que c'est pas celle qui est là-bas. Bah, moi je suis venu en courant parce que Salim il pouvait pas se soigner. Mmh. Et donc j'avais pris de l'avance. Après, moi j'étais là-bas déjà en train de prendre ma petite mule. Hein. D'accord, bon, ok. Ça va passer pour cette fois. Et puis cette charrette, je peux pas donner les colis là. Non. Ah, comment tu vas, Joe? Oh, il est magnifique, le tien. Ah, Gate Senior, comment qu'il est beau? Et quand t'as fait pour qu'il soit comme ça? Bah, j'ai choisi. Ah oui, d'accord. Bon, bah, allez, viens, on y va. Allez, on en avant, Guingamp. Ouais, on va vers Rhodes, non? Voilà, doucement, Michto. Ouais. On s'avance un petit peu déjà carrément. Et c'est quoi Gargant, j'ai pas compris. De quoi? C'est quoi Gargant? T'es quoi en France? Ah d'accord. Bah ouais, tu pouvais choisir sa robe, tu savais pas comment faire? Bah si, mais moi il y en avait pas un aussi beau que le tien. Ah j'ai hésité moi carrément, il était soit tout blanc soit tout noir. Bon. Ah oui d'accord, ah oui. Et depuis quand t'as besoin d'une selle, le duo? T'es une femme, toi? Oh, mais en ce moment, je suis un petit peu héritier du cul. Ah. Ah oui. Ouais, moi aussi, des fois. Ah ouais, alors là, imagine, sans selle, ça va gratter le fion, carrément. Bah oui, t'es des fois, t'es des fois, il y a des boutons, et ça gratte. C'est ça, et puis après, t'es obligé de te frotter comme un clébard. Bah oui, moi, je me frotte contre les arbres, moi, quand c'est comme ça. Ah ouais? Bah oui. Ah bah avant je faisais ça au cheval moi. Oui. Ah oui d'accord. Bon tu sais où c'est Rode? Bah on m'a dit, j'ai demandé, on m'a dit que c'était un peu plus loin là-bas. Bon on va bien voir. Ah carrément le cheval avec moi ça fait contraste, on est pareil presque. Ah, moi, noir et blanc. Ouais, je trouve que ça te va bien, ça te va bien. Ah, ça t'aime bien, hein? Ouais. Bon, allez, sortons de cette ville de pouilleux, là. Je peux carrément. J'imagine, je peux carrément sauter sur ton cheval si je veux. Ouais, bon, c'est vrai. Mais ne le fais pas. Oh putain, on se fait attaquer? Comment ça? Bah. Aïe 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 aïe. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Oh, damn! Et qu'est-ce que vous faites, monsieur? Descends d'ici, toi! You're done! Mais c'était pas là! Faites attention à vous, monsieur, faites attention! Il y a des malades, là, ils ont essayé de voler mon cheval! Mais le tio, qu'est-ce qui nous est arrivé là? De quoi? Vraiment dans ce pays? Mais attends, mais c'est des malades, qu'est-ce qu'ils font là? Fais gaffe, ils arrivent! Carrément, je me suis fait tirer dessus!
Non mais attends, mais j'ai essayé de discuter avec eux, ils avaient pas l'air bien bavards, c'est bizarre quand même, non? Ah non, c'est des... Ils sont pas comme nous, ces gens-là. C'est... Ah ouais, ah oui, d'accord. Ah oui, mais je m'attendais pas à ça. Oh, moi, je connais pas trop la ville, là. Bah, passons par la gauche, là, au pire. Allons dans un chemin, je sens que sinon ça va partir en cacahuète, cette ouais, affaire. Sauf, faudrait que je me concentre, faut que je monte. Bon bah faut rester attentif hein, au cas où on retombe sur cette bande de... Je sais pas, de brigands là. C'était des Mexicains? Tu penses? Oui oui, bah c'était oui. Mais bah, ils sont loin de chez eux quand même. De toute façon là, je pense qu'on attend tout le monde vers le salon d'abord. Et on ouais. Essaye de se montrer en route, tu vois. Essayer de voir qui c'est qu'il y a autour, comment ça se passe, tout ça. De se faire connaître, quoi. C'est là, le tu. T'as marqué un tiers des gitans. C'est des amis. Parce que quand tu crées pas, c'est pas évident. Ah bah c'est bon, on y est. Mais c'est magnifique. Ah c'est vrai que c'est joli, hein. Y'a carrément l'électricité aussi dans ce pays. Ah non, monsieur, pardon, excusez-moi. Comme petite villa. Salut. Il est où? Là, juste là à gauche. Ah, vas-y, on arrête les chevaux. Oui, comme ça on va voir un peu ce qui se passe, peut-être qu'il y a du monde. Bonsoir ma petite dame, comment vous allez? Arrête de draguer le tuyau, voyons. Ah ouais, mais bon. Je crois que c'était une petite gadget. Bonjour monsieur. Et bonjour messieurs. Ah bonjour monsieur. Vous allez bien? Très bien, et vous? Bon oui. Impeccable. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mes bons monsieur? Vous savez pas quoi? Ah oui. On est sorti de Saint-Denis, carrément, on s'est fait attaquer déjà. Ah oui. Par des brigands mexicains, je crois. On s'est fait attaquer directement là, en sortant du bateau, monsieur. Vous n'êtes pas attaqué? Par ah qui oui. Donc Oui. Je sais pas trop. Je vous avoue, j'ai essayé de m'arrêter pour essayer de comprendre ce qu'ils nous voulaient, quoi. Parce que, voilà, ils ont peut-être dû se tromper, non, le duo? Ils se sont trompés, non? Je vous remercie, Bonjour, mesdames, bonjour. Bonjour, messieurs. Oui, donc nous sommes fait attaquer, mais alors, je vais pas vous mentir, j'ai essayé de discuter avec eux, bon, ils étaient pas très bavards, quoi, Et vous avez pris la fuite? Ah bah du coup, oui, au final, oui, parce qu'ils continuent à me dire dessus, monsieur, donc c'est pas bien une fois. Vous avez bien fait. Ah oui. Si, on vous entend, mesdames, messieurs, c'est bien. Oui. Ah mais c'est les shérifs, ça, non? Eh oui. Eh ben, enchanté. Bonjour, messieurs, dames. Vous êtes d'Europe, c'est ça? Ah bah nous on vient d'arriver. D'accord. Mais on... Alors écoutez, je me présente, hein, je suis Emily Swift, la chef des bureaux de Rhodes. Il y a mon adjoint qui est là, monsieur Karl, et mon shérif à côté. Dis-moi ton nom, mouchoir, déjà. Johnny, voilà. On est enchanté. Mais nous voilà. On va certainement s'installer à Rhodes, voilà. Bienvenue, si jamais il y a quelque chose, vous hésitez pas, vous venez nous voir, notre porte est toujours ouverte. Ah oui, y a pas de problème. J'en profite pour allez... présenter aussi. Allez, Joe McDonough, je suis le maire temporaire de Rhodes, Valentine et Strawberry, quoi. Ah oui, c'est un... Oui. Vous faites un peu de tous les comtés, non? Ouais, le maire, le président, quoi, c'est moi, ah, comme oui. Le président, c'est le chef, le patron chef, c'est moi. Mais c'est un honneur, monsieur. Je remercie. Il a pas dit que c'était le patron en chef de Strawberry. Non mais moi c'est pas trop ce qu'on m'a dit, je vais former parce que on m'a dit que c'était le shérif en chef le temps qu'il y a un maire, donc je vais valider cette information, mais ça me fait plaisir d'être dégagé d'une responsabilité. On va vérifier l'information, quoi. Ouais. Fais donc. Ah bah, je crois qu'ils sont pas tous d'accord du coup. Pas tous d'accord ça. C'est moi qui fais la loi ici, hein, le gouvernement. C'est moi. Allez, moi je vous crois, monsieur, je vous crois.
La loi ici, c'est nous. Ça, on vous le dit directement, d'accord? Attendez, c'est qui? C'est vous le monsieur qui est à ma droite, là? Non, c'est nous, le shérif. Non, c'est moi. On va dire que moi, j'ai une façon assez radicale de faire respecter la loi. Applique. Moi, j'ai envie de dire qui c'est qui a les clés des cellules, c'est nous, donc. C'est ça. Comment ça? On a la santé, donc. Et qui c'est qui va vous donner votre salaire? C'est moi. Ça commence. Et Carl, il y en a des trois qui vont finir dans le bureau assez rapidement. Moi, j'en ai. Il est où mon salaire, d'ailleurs? Votre salaire, il. Faudra. Une autre question. Ouais, une autre question pour un autre jour. Et le salaire. Et le salaire, vous venez d'arriver, de suite l'argent, vous avez vu comme ils sont vénales, veineux, vous êtes plein de veines, voilà ce que vous êtes, plein de veines, veineux. Et vous ferez mieux d'aller faire un petit tour vers Saint-Denis d'ailleurs, je viens de me faire attaquer moi. C'est bon, tout à l'heure j'ai croisé une bande d'une dizaine de briscards là-bas, ça m'a cassé les couilles. Bah, je crois que je les ai croisés juste après, mais c'est pas votre rôle normalement de les arrêter. Écoutez monsieur, on va mettre les médecins. On sait exactement ce qu'on a à faire, d'accord. On vous remercie beaucoup pour l'information. Et si jamais vous avez des suggestions et tout ça, vous pouvez mettre un petit papier au niveau des shérifs, on répondra, d'accord. Ah non, mais moi je voulais suivre votre trait, mais s'il n'y a pas de problème, c'est pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas besoin de souci. Il y a des shérifs aussi à Saint-Denis, hein, donc il peut pas. D'accord. C'est pas des shérifs, c'est juste la police. Mais... Alors vous êtes juste les shérifs d'ici, quoi. Seulement. Ouais, non, on est ici et on est à Strawberry aussi, ouais. Ah oui, mais ça fait une belle trotte quand même, non? Écoutez, on est 6 alors, ça, y a pas de problème. Parce qu'il faut. Oui. Je comprends bien. Diviser les effectifs, on va faire ce qu'on a à faire. Hein. Ah oui, mais il est où le maire? Il est déjà parti, hein, déjà une usurpation. Mais non, je suis là. Juste... non, mais l'autre, je pensais que c'était l'autre qui parlait, moi. Excuse-moi. Ah non, c'est l'autre là, c'est celui qui est devant qui veut pas nous verser de salaire. J'ai pas dit ça. Il a dit qu'il verra demain, c'est tout ce qu'il a dit. Un petit peu. J'étais corrompu. Ça commence bien les gars, hein, les shérifs. Oui, mais pas. C'est bien. Eh, les shérifs, sinon au pire, vous pouvez tourner la tête 2 minutes, hein, et puis... Ouais, voilà. Peut-être qu'on va faire ça. Ah, t'as acheté ton marteau, toi? Non, pas encore, mais je l'ai vu. Ah non. Je l'ai vu. Ah oui, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça y est, il faut l'acheter direct. Je l'ai vu, mon testeur de réflexe. On devrait le tester sur... J'ai perdu mon ami, moi, du coup. Mais c'est du coup, le saloon, il est ouvert ou pas du tout? Le propriétaire n'est pas encore passé. Y a pas de propriétaire, y'a rien au bar. Bah, le maire paye sa tournée au magasin général. Ouais. Il achète des gourdes à tout le monde. Pourquoi pas? On peut peut-être négocier ceci pour partir sur une bonne entente mutuelle. C'est vrai. Moi et mes concitoyens. Qu'en pensez-vous? Ah, je suis d'accord. Et à Berthe pour le médecin. Bonsoir. Allez, suivez-moi. Mais le Joe, il y a le maire qui offre à boire. Ah, putain, carrément. Bon, apparemment. Je sens toujours tort. Apparemment, il veut nous payer un petit coup. Moi, tu me connais, le Joe, je refuse pas un petit whisky. Hein? Pardon. Bon, j'ai reçu un postillon, Seigneur. Ah oui. Bah, le sol aussi, on l'a reçu. Hein. Par contre, j'espère qu'il a de l'eau. Oui, c'est vrai. Pourquoi il y en avait déjà un à genoux, là? C'est compliqué à expliquer, madame. Disons que... Il contrôle pas trop ses muscles, on va dire. Non, pas du tout, c'est pas normal. Ah c'est non, pas, même ça, pas. C'est pas ça du tout, c'est juste que monsieur le maire a décidé de... Je sais pas, de laisser une sorte de... De boule jaune par terre. Et du coup, c'est quoi que vous avez décidé pour Rose, Valentine et Strawberry? Je vous ai parlé des tailles, madame. Une tournée générale de gourde, hein. On a bien dit ça. Moi, il peut m'acheter la nourriture, hein, ça marche très bien aussi. Hein. Oui, ça, faut pas être compliqué. Tu bois que de l'eau, carrément. Bah, j'ai déjà une gourde, en fait, c'est pour ça. Chanceuse. Bah, je me la suis payée. J'ai pas de sous, moi. Il me reste 3 dollars. Bah, j'en ai pas de sous non plus. Mais voilà, quoi, je peux faire avec. Bon, qu'est-ce qui se passe ici, alors? Ah, c'est la tournée générale du maire, il paye des gourdes à tout le monde. Oui, c'est la tournée générale, monsieur. On ruine la ville, voilà. C'est la communauté qui paye. Ah, tu devrais demander un marteau au maire, tant qu'à faire. Hein. C'est le maire de Strawberry, donc. Un marteau, pourquoi faire?
C'est matériel médical, c'est important. Ah oui, c'est médical, ça c'est sûr, ça remet les idées en place. Ah oui, oui, je me doute. Ça doit remettre des genoux aussi, peut-être. Oui, après, je suppose que s'il y a un mort sur le chemin, vous le soignez quand même, quoi. Oui, mais quand même. Comment vous allez ? Et le vieux, il s'est mis la merde dans la poche. J'avais un petit problème. C'est à votre tour. Pour le... Ah oui. Oh, merci, monsieur le maire. Merci bien. Voilà. Oh, Lucho, si tu veux une gourde, il y a Lucho. Je demande à me comprendre de carrément quand je parle. Et remplir ma gourde. Ah bon? Ouais. Qui veut une gourde? Qui n'a pas de gourde? Entrez. Mais je comprends pas, moi j'entends très bien. Ouais, mais c'est surtout les mots qu'il utilise, monsieur, je sais pas. Ouais, non. Eh. On n'a pas grandi dans le même milieu, je pense. Ah oui, c'est possible, c'est possible. Celui, il est clairement chitant, quoi. Voilà. Du coup, des fois, il y a quelques mots, bon, voilà. Bon, sinon, ça va, vous soignez du monde, Astromérie. Bah, non. Donc, on se balade un petit peu partout, puis doit, on attend qu'on ait besoin de... Ah, désolé, moi, non, monsieur le maire, mais on en a déjà acheté, nous. Mais super, ce maire, qu'est-ce que t'en penses? Ah, carrément, je vais voter pour lui, moi, aux prochaines élections, c'est là. Bah, faut qu'il se représente aussi, Lucio. Bon, elle est pas très mal, elle est pas trop mal, cette ville, en vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah attends, on vient d'arriver. Déjà, il y a des gars de jouer, ça, ils comprennent même pas quand je parle. Oui, mais il faut bien qu'on s'installe quelque part le premier soir. Le duo va pas dormir à la Belle Étoile. Ah bah, carrément, on va dormir dans le coin avec les chevaux. Oui, dans un établi, comme d'habitude, mais pas à la Belle Étoile. Eh bah, on demandera petite dame, le moine. Je suis désolé, je vous entends pas, si vous me parlez. Pas le moine, non, je parlais pas. Oui, bah parfait. Le moine, on demande. Je parlais pas, vous inquiétez pas. Tout va bien. On demande le moon, le moon. Le moon. Le moon. Oui. Alors. D'ailleurs, t'as pas de musique à faire là, on pourrait faire un carton là. Là tout de suite, tu veux que je chante le yeux bleus coton de Joe? Bah oui. Non, arrête, j'ai même pas ramené la guitare carrément. Ah, d'accord. Je vois ça. Mais c'est une tentative d'assassinat, mais. Oui, chasser du bandit. Tape, je ne sais quoi. Yema, calme-toi. Allez bien, Ludio. C'est pratique, ça sauve la vie, je pense. Bah oui, parce que quand j'étais en France, ça n'avait même pas. Oh merde. Oh, j'ai remis mon pantalon parsemé mes shoes. Ouais, c'est marrant. Je sais pas comment j'ai fait. Tu sais pas t'habiller, le dieu. Ah, je me suis réveillé comme ça. Bon, apparemment, Carmen, elle me parlait de reprendre la saloon là, dans cette ville de mort. Là. Ah ouais? C'est peut-être celui-là. Là. Ah, t'as mal au dos? Ouais, je m'étirais. Donc, ça sera celui-là. Bah, je sais pas. Mais ça serait ah ouais, pas... bonsoir. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la chaise carrément, lui. Faites du sport, monsieur. Ah, il squat carrément, il est trop fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est fort, 9. Ah ouais, moi je tape pas assez longtemps. Non, mais ouais, bon. On vous laisse, monsieur, là. D'accord. Bon courage. Non, mais en vrai, ça serait bien, regarde, il y a un grand bar, il y a de quoi danser, il y a de quoi chanter, il y a de la place pour faire à manger là-bas, là, et servir des gens à table. Mais écoute pas, ils s'en bat les couilles. C'est grand, hein, ici, c'est magnifique. Mais c'est trop bien. Ah, ça va être les toilettes, là, non? Ah, mais justement, j'avais envie d'y aller. Ah! Une petite chambronnette. Ah oui. Ah bah bonsoir monsieur.
Ah, puis on peut remonter par en haut. Ok, bonsoir. Oh oui, il y a l'air d'avoir une terrasse magnifique, viens voir. Putain, mais c'est gigantesque. Ah oui, ah, ah oui. Ah, les terrasses, on connaît ça. Ah bah oui. Là, on pourrait boire des whisky, là, le duo, là, regarde-moi ça. Oh, maman, comment c'est beau. C'est pas mal, en vrai. C'est pas mal. On voudrait qu'un mec passe le ménage un peu, parce que bon... Oh, il y a une table de poker. Ah oui. Ah oui, c'est génial. C'est génial. Ah bah toi, tu vas être refait. Hop, oh, bonsoir, madame. Bonsoir, ma petite dame, comment vous allez? Care to have some fun? Ah oui, oui, je veux bien. Bonsoir, ma petite dame, vous voulez prendre un bain avec moi, Gaët? L'eau, elle est déjà prête, quand même. Non, 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 c'est moi, elle m'a demandé à moi d'abord. Oh, bah, allez, oh, bah, on y va tous les deux. Je suis pas sûr qu'on tient, là, le duo, tu penses? Comment on peut faire? Ah. Je pense que tu vas être un peu trop proche de moi, ça va être bizarre. Oh, regarde, il y a même un salon ici, un petit salon, là, pour ce soir et fumer, ici. Oh, bah, ça va être super. Oh, attends, tu viens de voir ce que j'ai vu ou pas? Oui, j'ai vu un truc. C'est pour ça qu'on s'est arrêté. Et il y a une autre terrasse, mais c'est sublime, c'est sublime. Mais, ah ouais, c'est super. Oui, c'est vrai qu'on avait... Ah bah tiens, Carmen a passé... Ah non, merde, c'est pas Carmen. Allez, j'y vais. 3, 4. 3, 4. Oui, j'ai appris ça en France. À la bonne? Oui, tu pompes très bien le duo. C'est bizarre comment tu dis ça quand même. Comment ça? Redis pas ça quand il y a du monde par contre. Ah bon? Pourquoi? Ah, tu pompes très bien. C'est ce que je vois, c'est tout. Ouais, ouais, mais... Fais attention à de ce que tu dis, quand même. Oh, guette la calèche. Oh. Et donc, qu'est-ce qu'il fait là, monsieur le maire, hein? Je pense dans une petite ville. Je pense qu'il attend au Carmen. Ah, ouais, je vois ce que tu as dit. Ah ouais, mais attends... Elle a pris le bateau juste après nous, donc je pense qu'elle doit être là dans pas longtemps. Attends, je regarde l'heure, quelle heure il est avec le soleil. Ok. Et tu sais comment on calcule l'heure avec le soleil d'ailleurs? Oui, je voulais te dire, voilà, il faut garder l'ombre là. Tu vois l'ombre qui est là? Ouais. Et là. Et ben, faut mettre un petit bâton après. Tu vois, ici là. Et après, dans une heure, je peux te dire quelle heure il est. Voilà. Et ben, moi, encore plus hein, carrément, tu sais quoi? Et véridique, c'est prouvé, tu t'essaieras quand tu seras. Vas-y. Alors, tu vois le soleil haut dans le ciel. Ouais. Tu vois l'horizon. Ouais. Tu tends ta main. Et tu mets tes quatre doigts à coller à ta main, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais. À l'horizon. Et en fait, une main, ça fait une demi-heure. T'es sûr que ça marche? Ouais, ça marche, mais... Voilà. Oui. Là, allez. Je sais pas, je dirais 15h. Eh ouais, d'accord. Mais c'est bientôt l'heure du goûter, alors. Ah ouais. Faut qu'on les chasser, peut-être. Avec quoi? Avec notre bête et notre couteau, peut-être? Ah non, d'ailleurs, je crois qu'il faudrait qu'il y ait... Ah oui, c'est vrai qu'on avait pas de lasso, on a acheté un chien, on avait pas de lasso. Allez, pire erreur. On va aller faire l'aumône au maire. Bonjour. Oui, y'a pas de problème. Y'a pas de problème, monsieur. Donc, comment allez-vous? Bah, écoutez, ça va pour le moment. Je cherche un petit peu. Je sais pas comment on peut faire un peu de dollars, vous voyez. Et pareil également. Mais vous faites quoi en ville? Disons que pour le moment,
bon, j'ai été embauché par le salon qui va bientôt ouvrir dans cette ville. Mais disons que pour le moment, on peut pas ouvrir ce soir, donc je cherche une occupation, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Et vous êtes du coin, non? Non, nous, on est d'un peu partout. On va ouvrir un cercle. Ah oui? Oui, c'est ça. Oui, où ça? Il va être itinérant au début, et puis après, il sera implanté en bas. On le cherche encore. D'accord. Vous nous verrez sûrement en ville, incessamment sans plus. Ah, mais c'est génial, ça, c'est génial. Vous appelez comment, mon pieu? Whistler. Oui, Whistler, c'est ça? Oui, monsieur Whistler Larson. Eh bien, enchanté, monsieur Whistler Larson. Enchanté. Et vous? Moi, c'est Joe. Appelez-moi Joe. Joe, ok, d'accord. Dis ça. Et oui, donc ce sera un cirque qui va s'appeler le cirque des Saltimbanques. Ah oui, et vous proposez quoi, par exemple, comme... Oh, ça va être des spectacles. Il y aura de la restauration. Il y aura un petit peu des jeux de tir. Des petits combats aussi. Ah oui, c'est super, ça. Il y a un peu de tout, quoi, pour tous les goûts. Ouais, il va y avoir de l'animation. Oh, mais ça c'est sûr. Et oui, vous voulez faire tout... D'abord, oui, vous voulez passer un peu dans toutes les villes, quoi. Vous pensez trouver un beau lieu pour Rhodes, non? Oui, c'est ça, on va passer un petit peu partout, histoire de nous faire connaître. Ouais, vous avez raison, c'est le plus important au départ. Et du coup, vous avez pas de moyens pour faire un peu de l'art, là, ce soir, là? Ah, là, non, je viens d'arriver, Oula, faut que je boive un coup d'œil. Bah, c'est-à-dire que j'ai acheté un cheval, mais du coup, je regrette un peu, quoi, parce que... Comment vous dire que... tout coûte 10 dollars, de ce que je vois. Ah, moi, j'ai déjà acheté un lasso et un couteau, déjà, pour essayer de faire un petit peu de ça comme ça. Ah oui, ça, c'est pas bête, ça. C'est pas bête. J'aurais dû le casser. Mais bon, rien que le petit couteau, il est à 7 dollars. Ah oui, quand même. Et le lasso, vous l'avez eu à combien, monsieur? Si je dis plus de bêtises... 3 dollars. Bonsoir, monsieur. Oui, bah vous avez pile poil assis pour vous acheter de quoi faire un peu d'argent, je pense. Bah, écoutez, voilà ce qu'on peut faire. On va s'entraîner, monsieur. Je vais bien. Alors, je vous emmène à cheval. Vous chassez avec votre lasso et votre couteau. Moi, s'il faut, je fais les allers-retours pour vendre les bêtes, voilà. Et puis voilà, on partage à la fin. Ça vous va? Ah bah ça me va impeccable. Allez, on y va. Bon, mon cheval est devant le salon. D'accord. Je sais même pas où est-ce qu'il est, ça. Bon, il va être juste un peu plus... Voilà, là-bas, là, le bâtiment blanc. Le temps de connaître la ville, hein, ça va venir. Bah oui. Et vous savez, moi, je suis arrivé il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Il va y avoir, je pense, beaucoup de nouveaux arrivants. Oui. La ville est assez belle. Allez, mon type, si on y va. Ah oui, un beau cheval. Oui, ce cheval de gitante, ça. Vous avez pu voir un petit peu les prix des chevaux? Oui, rapidement. Mais celui-là, par exemple, du coup, c'est 18 dollars. Ok, d'accord. Donc en soi, il va pas vous manquer grand-chose pour vous en acheter un après. À voir combien on arrive avant. Les pots de bêtes. C'est ça, par contre, ça, je sais pas du tout. Vous avez un coin de chasse préféré, monsieur? Alors là. Non, pas spécialement, pas encore. Bon, bah, très bien. Bon, on va essayer d'aller pas trop loin par rapport au boucher. Puis on va tourner dans les alentours, et puis voilà. Je vais pas vous mentir, la carte est un petit peu froissée, donc j'ai du mal à voir un peu ce qu'il y a autour. Oui. Donc vous venez d'arriver aussi, là, vous êtes tout seul. Bah, disons que j'ai toute une famille, moi, qui prend le bateau, vous savez, entre gitans, on traîne en famille. Ok, d'accord. Moi, je dirais que bon, il n'y a pas grand monde qui,
qui me considère voilà, comme un gitan, parce que j'ai une façon de m'habiller très, on va dire, très européenne, vous voyez. Ok, oui, non, bah, ça c'est pas... Ouais, non, mais c'est les goûts et les couleurs. Voilà, non, mais pour vous expliquer, moi j'ai été élevé pas du tout à la gitane, voilà. J'ai juste du sang gitan de, voilà, de mon grand-père. Et disons que, voilà, une fois que j'ai perdu ma famille, j'ai été recueilli par une femme très bien. Une femme très très bien, elle s'appelle Carmen. Et voilà, et depuis, ben voilà, je suis avec eux, quoi. Ok, c'est parfait, ça. Bah, nous aussi, hein, on connaît, on a un petit peu de la même famille, si je peux dire. Nous, les circassiens, on roule beaucoup aussi. Ah oui, oui, je vois. On n'est jamais au même endroit. On fait nos spectacles par-ci, par-là. Ben, nous, c'est ce qu'on faisait, mais bon, disons qu'en arrivant là, dans cet état, à Phoenix, là, Carmen a envie de reprendre un saloon, donc peut-être que ça va changer, peut-être qu'on va bouger un peu moins. Ok, d'accord, ouais, se poser un petit peu. Oui, c'est une première pour moi, je vous avoue, je sais pas combien de temps ça va durer. Vous avez la bougeotte. Oui, oui, oui. Alors là, les coins de chasse, il va falloir les trouver. Ah, là-bas, il y a des biches. Oui, faut que j'y aille un peu plus doucement. Je les ai fait fuir, ces saloperies. Bah, sinon, je vais essayer d'y aller à pied. Et puis, bah, au pire, attendez-moi là. J'arrive. Je vais essayer. Oui, je vais essayer d'attraper des lapins en attendant. Où il y a des poules là-bas, je crois. Les écraser, oui. Oui. Bon alors, la chasse, ça a été bonne. À pied, c'est compliqué, on va pas se mentir. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous voulez peut-être que je vous prenne mon cheval? Comme vous voulez. Au pire, on peut essayer ça. Hop, sinon, ce qu'on peut faire, on fait 50-50 toujours. Au pire, si vous voulez, je vous dépose à Rhodes, je prends votre cheval, je chasse un petit peu. On va tout vendre, on fait 50-50. Ça vous évite d'attendre là en pleine campagne tout seul. Oui, mais au plus, je peux essayer de choper quelques écuries au passage, ça rajouterait toujours un petit peu de... Oui. Ok. Bah ouais, bah pas de soucis, car on se retrouve ici. Bah voilà, on se retrouve là. Allez, je vous le laisse. Parfait. Dans 5 minutes.